Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch God Mode sur la map Fire by Z et qui fonctionne sûrement sur la map Contagion. Alors pour réaliser ce glitch vous devrez être deux joueurs. Et il faut savoir que quand vous allez réaliser ce glitch, vous ne pourrez plus emprunter le téléporteur et vous ne pourrez plus utiliser les jumps sinon ça enlèvera le God Mode. Donc avant de réaliser ce glitch je vous conseille d'améliorer vos armes. Alors ce que vous allez devoir faire pour réaliser le glitch, c'est d'acheter pierre tombale. Ensuite vous vous laissez tuer par un zombie. Quand vous avez activé votre pierre tombale, vous avez une jauge qui apparaît. Alors cette jauge, vous allez devoir attendre la fin. Mais quand je dis la fin, c'est vraiment la fin. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus de barre rouge dans la barre de réanimation pour que votre pote puisse vous réanimer à ce moment-là. Bon, il y a une petite question de timing, mais quand vous allez y arriver une fois, deux fois, trois fois, après vous allez comprendre comment ça se passe. Et normalement ce sera beaucoup plus simple. Donc votre pote, ce qu'il doit faire, c'est de vous réanimer au moment où il n'y a plus de barre rouge. Alors il va devoir vous réanimer avec son spécialiste aura de soins. Donc bien entendu, il va devoir remplir son spécialiste. Alors il faut savoir aussi que le spécialiste doit être niveau 3, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors si vous avez bien réussi cette étape, vous allez revenir à la vie et en fait il y aura votre pierre tombale juste devant vous. Quand vous avez réussi à faire ça, vous aurez plus ou moins une manche pour faire la prochaine étape. Alors la prochaine étape est pas très compliquée, il suffit juste d'aller près d'un jump et de se laisser tuer par un zombie en même temps qu'utiliser le jump. Alors si vous avez 150 points de vie, ça équivaut à 3 claques. Donc quand vous voyez que le zombie va vous mettre la troisième claque, vous activez le jump et le zombie vous tue. Donc c'est une petite question de timing aussi, mais vous verrez, c'est pas très compliqué. Alors si ça a bien fonctionné, vous allez perdre 500 points et ensuite vous allez disparaître. Donc là ce que votre pote doit faire, c'est tout simplement passer la manche et quand vous allez réapparaître, vous serez invincible contre tous les zombies. Alors le seul problème, c'est que vous ne pourrez plus utiliser de téléporteur et si vous réutilisez le jump, eh ben ça va vous enlever le God Mode. À part ça, vous pouvez tout faire. Donc vous allez pouvoir gagner des XP en illimité, monter vos armes, débloquer le camouflage Dark Eater, gagner des cristaux en illimité, monter dans les manches, vraiment vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao, peace. I'm gonna make